Yo tout le monde, c'est Mel de Jean, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Odyssey. Et la dernière fois, nous avions battu le boss de ce monde, en tout cas l'un des sbires de Bowser. Alors j'aimerais faire passer un tout petit message avant qu'on continue. Sachez que je ne lirai plus les commentaires sous les vidéos que je sors actuellement pour Super Mario Odyssey. Sauf au cas où je vous pose une question. Quand je vous poserai une question, je regarderai les commentaires. Pourquoi je décide de plus regarder les commentaires? Tout simplement parce qu'en fin de compte, les commentaires que j'ai pu lire jusqu'à maintenant sur mes épisodes, c'est uniquement pour me dire comment avancer dans le jeu. Et au final, vu que je vais le faire en découverte avec vous, si vous me dites exactement ce qu'il faut faire, finalement, c'est plus de la découverte puisque je sais ce qu'il faut faire grâce à vous. Donc, voilà. Sachez que vous pourrez toujours laisser vos commentaires. Au fur et à mesure du temps, je relirai les commentaires des précédents épisodes que j'ai pu sortir. Ou en tout cas, une fois qu'on aura terminé le jeu, où il faudra aller chercher toutes les autres lunes, etc. Là, je prendrai le temps de lire vos commentaires. Mais avant, non. Donc voilà, juste petite info vis-à-vis de ça. Donc, on part chercher d'autres lunes. Sauf que je sais pas trop par où on va devoir passer maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? On a suffisamment de lunes de puissance. Ok, bah écoutez, on va partir. Let's go! On va changer de destination. On va découvrir un nouveau monde. Ça va être sympa. Donc autant vous dire que le monde qu'on avait fait juste avant, le monde dans la forêt, je sais qu'il y a des trucs dans le vide, je le sais maintenant. Hein, parce que vous avez été je sais pas combien à me le dire dans les commentaires. Et c'est pas cool parce que j'aurais aimé le découvrir moi-même, tu vois. Mais bon. Bref. Ouh, il y a le vaisseau juste là. On peut aller au pays des gratte-ciel, prépare-toi à survoler la mer. Bah allons-y, pays des gratte-ciel. Alors on a été au pays des gratte-ciel une fois. C'était pour récupérer une lune cachée. Donc là maintenant on va se rendre dans ce monde là. Et je vais pas avoir énormément de surprises dans ce monde là parce que j'ai déjà testé la démo de Super Mario Odyssey quand j'ai été invité à Paris par Nintendo, il y a déjà cela un petit moment maintenant. Du coup j'ai pu voir un peu à droite à gauche le niveau, j'ai vu des gens jouer dessus, etc. Donc ça va. Oh, c'est beau. Très classe. Alors, voler une robe de nacre pour convoler, pardon, c'est tout de même un comble. Allons vite secourir nos demoiselles. Bon moment. Ok. Soit en longueur, on connaît le deal. Ciao, bonsoir. Alors, il parle des trucs de gratte-ciel, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Le château de Bowser est là. On voit le bouquet. Yes, on est sur le bon chemin. Ah, on va peut-être avoir une interaction avec le vaisseau de Bowser, là. Ah, Bowser, il est là. Il y a tout, hein. Il y a la bague, le bouquet. Ouh, c'est la confrontation. Est-ce qu'on va se battre, là? Ah non, pays des nuages. Cumulolimbus. Ah, si. Si, si. On est au pays des nuages, d'accord. Bah, je pensais qu'on allait au pays des gratte-ciels. Bon, bah ma foi, on va regarder. Pays des nuages, regardons déjà. Qu'est-ce qui se passe? Liste. Il n'y a que deux lunes à choper. Bon. Donc il y en a forcément une cachée. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a téléporté. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est pas grave. Donc on a une lune cachée quelque part. On va la chercher. Et probablement que la dernière lune, c'est Bowser qui la détient. Oh, des pièces, merci. Par là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok, les pigeons, cassez-vous. Alors à moins que... Oh! J'ai un peu mal joué là. On va se réveiller, on va se réveiller. Pourtant je suis bien réveillé là aujourd'hui parce que je me suis fait une petite partie de bowling là. Après une petite partie de billard. Au calme. Ok. Effectivement il y a le cube là-bas donc à mon avis on va pouvoir débloquer la deuxième lune plus tard. Bon bref de toute façon il n'y a pas de pièce à choper donc on va directement avancer vers la zone. Oh. Ah, on va se battre en personne contre lui. Il est quand même balèze. Hein. Très classieux par contre, il est bien habillé. Mario, ne me dis pas que tu penses encore pouvoir m'arrêter. Un mariage, c'est toute une organisation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stressant? Et elle a sa robe de nacre. Hein. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ce chapeau débile?
Ok, Bowser. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Je rentre dedans. Oh, on est dedans. Vas-y, viens. Vas-y. Tiens. Tiens, voilà. C'est ça qui est bon. On peut pas contrôler Bowser? Non. Peut-être qu'on pourra le faire plus tard. En tout cas, il a pris cher, le petit Bowser. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Ça, j'en veux pas. Et toi, je te veux bien. Hop là. Bon, il est plutôt easy, hein. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ouch! Ah oui, il est énervé, hein. Tiens, voilà. Bim, dans les pics. Joli! Ok, donc faut faire attention à nos points de vie, quand même, hein. Très sympa. Oh, ok, c'est bon. J'ai. Tiens. Oh, il y a un petit cœur derrière, je le prends. Attends. Pas moyen que je laisse échapper ça. Ok. Ok. Non. Tiens. Je bouffais mes points dans la bouche. Waouh. Ça, c'était la belle esquive. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, mais c'était la belle esquive. Pas mal. Ah, j'ai plus son chapeau. Bah, il l'a récupéré. Ok. Feu! Ouais, là, Mario, t'as intérêt à faire gaffe. Oh là! Ah oui, on tombe là. Bon. T'as compris cette fois, Mario? Il a l'air plutôt énervé. Bon, pour l'instant, j'ai pas chopé de lune ici. Hein. Comme dit, on a vu au loin une caisse en fer. Et on m'a évidemment dit que les caisses en fer, ça se jouerait à la fin du jeu. Donc, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Pays perdu. Toxil. Hein. Ah. Je m'attendais vraiment à aller au pays des gratte-ciels, moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on atterrit avec tout ça? Oh, l'Odyssée est dans... Oh là. Dans un galurin, l'Odyssée est cassée. On va avoir besoin de lune pour la remettre en état. En fouillant un peu, on devrait en trouver dans le coin. Ah. Ok. Bon, regardons un petit peu cette liste. On a 25 lunes et 50 pièces à choper. Très bien. Bah écoutez, on va chercher. Déjà là-bas, on a des pièces. On a un bloc par terre. Et faut clairement pas toucher le sol. Donc on va faire gaffe. Est-ce que dans les arbres, il y a des choses? Ouf, pour l'instant, je vois pas trop. Go. Faut probablement une clé ici. Ça fera rien du tout. Chopons les pièces. Déjà, les pièces, on peut voir qu'ils sont en forme de feuilles de tanuki. Donc on aura probablement la transformation tanuki dans ce niveau. Enfin, je pense. Je sais pas, on verra. Oh. Très dense comme forêt. Moi, j'aimerais quand même vérifier s'il n'y a pas des choses dans les arbres. Ok. Bon, on a... Oh, ça glisse. Ok, on va peut-être pas faire le fou en hauteur. J'ai vu qu'il y avait des pièces, mais ça glisse. Enlève ça. Enlève ça. Ça fait rien du tout. Sur ce côté-là, on n'a pas de pièces, rien. Non. On va prendre de la hauteur ici. Ouais, non, on a que dalle dans les arbres. Donc, on va pas vraiment se prendre la tête avec ça. Et on va avancer. Ok. Oh là! D'accord, donc j'ai même plus Capi pour m'aider. Il va falloir que je me débrouille. En tout cas, je vois des lunes de puissance. Ah bah oui, plus de couvre-chef. Il va falloir se débrouiller. Alors, ici, on a quoi? On a une lune là-haut, mais on peut pas la choper parce qu'il faudrait que je casse cette zone. On peut faire quelque chose là? Non, on peut rien faire ici. Ok, on a une lune également derrière là. Qu'est-ce qu'on a par en dessous? On a des pièces violettes. Nice. Par ici, on n'a rien. Ok, un petit peu plus loin par là-bas. Est-ce qu'on a des pièces violettes? On a le cube. On a le fameux cube. Et c'est tout, apparemment. Ouais, c'est tout. Ok. Taillot.
monter par là. Et par ici. La drôle de bestiole. Claque ce truc. Claque ça. Si c'est ici, à mon avis, c'est pas pour rien. Ouh, regardez toutes ces pièces. Joli. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouh, il y a un pic. Je l'avais pas vu. Je peux rien faire contre eux, en fait. Parce qu'ils ont des pics, donc je peux pas vraiment les attaquer. Ça, je peux le casser ou pas? Non, il va me falloir autre chose. Est-ce que tu peux choper des blocs, toi? Non, tu fais rien du tout. Ok, ok. Bon, on va faire tomber ça, déjà. Oh, joli. Une lune. Il y a beaucoup de lune à choper pour réparer l'Odyssée, apparemment. Ok, bon, bah, par là-bas, on peut plus vraiment y aller. On remonte. J'aime bien les couleurs de ce monde. Ils sont vraiment très jolis, les couleurs. Mais monte. Oh là là, monte. Hop, voilà. Alors, par là-bas, on peut pas y aller. On va passer par là, du coup. Oh, il y a un bloc ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Des pièces. Casse-toi, bestiole. Il y a quoi derrière? On a rien. Dommage. Petite pièce violette, là, ça aurait été pas du luxe, ça. Ok. Bon, il y a un checkpoint là-bas. Oh, j'ai cru que c'était des pièces violettes, mais non. Bim! Voilà, on va pouvoir monter. Et checkpoint. Ok, là on passe pas tout de suite. On va attendre un peu. Continue de faire le tour, regardez un peu ce qui se passe. Ok. En bas on a des Fuzzy. Ça pue un petit peu. Oh, on a des pièces violettes là, mais je vais pas pouvoir les atteindre tout de suite. Pareil, celles qui sont en dessous, faudrait que je récupère Capi pour ça. Non, là c'est blanc, c'est plus ici que je peux le faire. Ouais, c'est plus ici que je peux le faire. Ok, donc ceux-là, pareil, je peux pas les choper tout de suite. Va falloir attendre. Oh, dis donc, il y a des pièces violettes dans l'arbre. Dis bien qu'il allait y avoir des choses dans les arbres. C'était obligé. Ok. On a un plan panoramique à l'aide. Ok, il est juste là, Capi. Let's go. Tiens. Oh, mais reviens. Ah, je sais ce que je vais faire. Vas-y, viens. Pose-toi ici. Bim! Voilà, je vais te calmer, moi. Ok, on récupère notre ami. Fiu, j'ai eu chaud. Merci pour le sauvetage rapide. J'espère bien que ça n'arrivera plus. Bon, allez, allons chercher des lunes, histoire de changer, de se changer les idées. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps, mais ça va. Ok, on peut contrôler ça. On peut aller où on veut et on peut s'étirer. Ok, donc là, on peut s'étirer par là. Bouton là. Ah, ok. Sympa. Et on peut revenir tel quel. Très bien. Donc il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Voilà. Alors. Allons chercher nos pièces manquantes. Ok. Là on en a. Yep. Ok. C'est quoi ce truc bleu là-bas? Ah, ça repop. Ok. Est-ce que je peux descendre là? Non, ça me fait revenir ici. Très bien. J'ai vu qu'il y en avait là-bas aussi. Je sais pas comment pouvoir les atteindre, celles-ci. Bon, en tout cas, on va sortir de cette bestiole et on va se laisser tomber là. Voilà, pour les pièces violettes, évidemment. Et là, on a des... Non. Bad. C'est pas très très grave. On reprend de là, ok. D'ailleurs, ces bestioles là, je peux les péter maintenant. Oh, lâche-moi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok. Bon, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais on se casse de là. Je pensais que je pouvais m'amuser avec eux, pas du tout. Allez, on retourne de l'autre côté. On va essayer de bien jouer cette fois. Donc on va se laisser tomber là. Ok. Est-ce qu'on a des positifs? Non, là c'est une pièce. On peut aller là-bas. Ok. Viens là. Hop, viens ici. Ok. Clac. Clac.
Clac. Ok, nice. J'en ai 3. Ouh, il y en a un là-bas. J'ai là avant. Très étrange comme bestiole quand même ce truc-là. Hein. Très très étrange. Donc on l'a récupéré, on va devoir partir. Oh la tête qu'il a quoi. Ouais. L'autre est... Ah non, là-bas c'est une lune. J'allais dire l'autre est là-bas, mais non, c'est une lune. Donc il m'en manque un. Est-ce qu'il serait pas là-haut par hasard ou derrière l'arbre? Il est derrière l'arbre. Ah, ok. Derrière l'arbre alors. On y va. Good. 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 Let's go. Voilà. Et du coup, on a le dernier. Où est-ce qu'il va me mettre la lune? Là-bas, ça va. Pas trop méchant. Ok. Hop, on lâche la prise. On va là-bas. On va chercher cette fameuse lune. Mais c'est sympa comme transformation, ça. Hein. Est-ce qu'on peut y aller directement là-bas? Oh, presque. Dommage. Et une lune. Cette deuxième. Sur 10 apparemment. Ok. Casse-toi toi. Ok. On récupère les deux, très bien. Hop, voilà. Et je pense qu'on va aller par là-bas parce qu'il y avait des choses là-bas à récup. Ok, là, faut pas tomber. On peut grimper. Qu'est-ce qu'on a en hauteur? Oh, pièce violette. Je récupère. On va essayer de sauter sur l'arbre là. Dommage. Dommage, dommage. Checkpoint. Ah, une porte. Allons-y. Ah, on va être en 2D là. Ok. Faire gaffe, on voit qu'il y a des pièces là-bas aussi. Ouais, si tu veux. Tac, une lune. En invitant les footsies dans le mur. Ok. Maintenant, il va falloir sauter sur le bloc qu'il y a là. Ok, très bien. J'ai pu sauter sur le bloc. Et il y a l'autre lune à choper de l'autre côté. Très bien. Alors, comment on va y aller? Je pense que sur la longueur, ça ira pas mal. Yo. Ouais, parfait. Wow, j'ai failli tomber. Voilà, et une autre petite lune. Au-dessus des marées, après les Fuzzy. Il n'y a rien de l'autre côté? Non, il n'y a rien de l'autre côté. Il y a une boîte par contre là-bas. Qu'est-ce qu'on a dedans? Non mais, claque la boîte! Il n'y avait que des pièces. Pas grand-chose. Ok. On peut s'en aller d'ici. Son en longueur, voilà, joli. Alors toi, tu vas t'en aller direct. Voilà, tu vas, je pense que tu vas disparaître si je fais ça. Faudrait qu'on arrive à monter ici. Et à mon avis, on a d'autres endroits pour pouvoir monter par là. Donc on va passer par ici. Allez hop. Clac. On va monter là. On a une lune là-dessous. On a encore plein de pièces là. Ok. Tu as sauté sur l'arbre. Ou tu... Ouh, c'était limite quand même là. Hein. C'était limite. Comment on fait pour choper la lune qui est en dessous là? Est-ce qu'il faudrait la choper? Ouais, il faudra la choper avec la bestiole là-bas. Hein. On va aller la choper. Viens là! Viens là! Je crois qu'avec ça qu'on va pouvoir choper la lune. Parce que là, l'idée ce serait d'aller là. Ok. De se poser. Bah, du coup, là. De se poser là. Et de faire ça. Bah ouais. Bah, jetant un œil sous le pont. Bah oui. On peut refaire le tour comme ça? Non. Très bien. Eh ben on s'en va. Oh. On a collecté la moitié. C'est bon à savoir. Il nous en faut encore 5. Ok, noté. Là on est retourné au début. Dis donc, il y a des pièces violettes là. Quand je disais qu'il y avait des choses en haut. On va les choper. Ok, monte sur l'arbre. Et les pièces sont là. Oh, ça glisse.
Grimpe ici. Ok. Hop là. Yes. 30 sur 50. Bon, on a cette lune aussi à choper. Comment je vais pouvoir la choper? Déjà, comment je fais pour aller tout en haut? Ça, c'est la question. Déjà, on va repasser par là. Voilà. Et... on passe par ici. Ah, je pourrais sauter sur le tronc, là, si je veux. Je pense que je vais perdre si je fais ça. Allez hop, accroche-toi là. Et on va sauter genre... Non, 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 non. Là. Oh, c'est limite. Eh ben, c'est tombé dedans. En même temps, je voyais rien en dessous. Hein. Donc, il a pas l'air si simple que ça, ce niveau. Hein. Faut bien checker partout. Ok, ok. Ok. Donc bon, par ici on n'a pas... Si, par ici on avait regardé. Oh, je comprends pas trop par où faut passer du coup là. Hein. Faut probablement passer par ici. Monter là, peut-être. C'est compliqué de savoir comment monter, parce que là il y a des lunes. Ok, très bien, mais... On va essayer de remonter par là. Hein. Mais là, je vois pas. De toute façon, si je monte sur le tronc, ça fera rien du tout. Là, si je saute, ça fera rien du tout aussi. Par où faudrait qu'on passe? La bonne question, ça. C'est la bonne question. Ok, si on retourne par là-bas. Déjà, il y a des pièces violettes là-bas, je sais pas comment les atteindre. On était là-haut tout à l'heure. C'est vrai qu'on était là-haut tout à l'heure, donc je pense qu'il faut refaire le tour. Hein. Ok, on va refaire le tour rapidement. Ok, on va essayer de retourner là où on était. Hop là! Claque ça. On a déjà 22 minutes sur ce niveau. Bon, tu me diras, on a fait d'autres choses aussi avant, mais... quand même, quand même. Voilà. Ok, là on est en hauteur. Très bien. On a des pièces violettes qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. Ah bah non, c'était les pièces violettes qu'il y avait sur les plateformes. Ah, nous y voilà, nous y voilà. Tu fais le tour? Voilà. Bon, au final, c'était pas si compliqué. C'est juste moi qui regardais pas où il fallait aller. Go! Go! Voilà, une nouvelle lune. Ok. On peut repasser par là-bas. Pièce violette encore. Alors, est-ce que t'as des choses derrière? Oh oui, t'as des choses derrière. Viens là. Yep. Ok, on a tout chopé, on a tout chopé. On peut s'en aller. On revient par là, et du coup, bah toi tu peux t'en aller du coup. Hein. Est-ce que je peux te claquer? Non, je peux pas te claquer, dommage. Yo. Comment aller là-bas? Là, par contre... Question à 5 000 $. Hop. On peut continuer par là-bas. Je pense qu'on va continuer par là-bas, de toute façon. Dégage-toi. Est-ce que tu peux casser ces trucs-là? Non, je sais ce qu'on va faire. Retourne-toi. Vas-y. Fonce, mon ami. Voilà. Du coup, on y a accès, maintenant. Attention. Joli hein, le petit cœur. Et puis des pièces violettes juste là. Ok, nice. Alors du coup, faudrait casser ça de la même manière. J'y crois pas trop, moi. J'y crois pas trop. Ok. Comme ça? Non. Apparemment, ça marche pas comme ça. Comment je pourrais le casser, lui? Pas la moindre idée pour le moment. Bon, de toute façon, il va falloir remonter. La petite ellipse qui va bien pour remonter. Écoutez, je crois qu'on a compris. Hein. Hop, on va se mettre comme ça. Oh non, il m'a touché. Ok, vas-y, repop. Voilà. Viens par là.
Ok. Oh, à côté, dommage. Ok, on recommence. C'est bon? Ah, là, c'est bon. Ok, cool. On va pouvoir aller chercher cette lune tranquille. Donc ça, c'est nice. Ok, joli. Par là-bas, ouais, j'étais déjà passé par là-bas. Clock. Aïe. Il va falloir que je fasse attention à ma santé, là. Ça va pas le faire. Ça pouvait nous servir à quelque chose de faire ça. Ça pouvait nous servir à faire descendre ça, c'est tout. Bon. Ok. Ok. Et du coup, on y va. Voilà. Une nouvelle lune. Et du coup, on va remonter encore une fois. Donc, re-ellipse. Ok, on est retourné en haut. On était là tout à l'heure. Mais attends, faudrait qu'il casse ce qu'il y a derrière. Allez, vas-y. Bam. Ah, il faut qu'il recommence. Encore. Voilà, en plus, il y avait de quoi s'accrocher. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune, là. Ouais, joli. Nice. Sur la route vers le sommet, il nous reste plus que deux lunes à choper. Et on n'a rien sur les bords. Par contre, on a une indication ici. Qu'est-ce qu'on a? Wall jump, c'est ça? Ouais, saut mural. Ouais, on connaît ça, on connaît. T'inquiète pas pour moi. Un gros interrupteur, claquons-le. Ouh. Go, 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 go. Ça va, easy, hein. On avait du time, mais quand même. Checkpoint. On va pouvoir planer avec lui pour aller chercher les dernières pièces. Et on a encore une lune à acheter là-dedans, c'est sûr. Et il n'y a pas d'autre zone où on peut aller? Tiens, là-bas, là. Clac. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas passer par là, tout à l'heure. Okay, on a le perroquet. On a ça. Vas-y, please, rentre dedans. Ouais. Joli. Petite pièce violette, là. Ok. Alors, en dessous, on a rien du tout non plus. Donc, ah, la petite peach. Ouh, merci. Alors, on a 4 pièces violettes là-bas, on a une lune là-bas. Ok. La lune, je vais pouvoir la voir en planant. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh. Vas-y. Tiens. Tiens. Et enfin, tiens. Ah bah, hé. Une lune. J'ai vu que les premières fleurs commençaient à bouger, donc à mon avis, si j'étais pas allé assez vite, c'était mort. Ok, là-bas, on a un papillon. Hé. Papillon s'est barré. Bon, bon, on va espérer qu'il revienne. Est-ce qu'il revient le papillon? Ouais, il est de retour. Ok. Je vais essayer de faire un triple jump pour monter là. Je pense pas. Hein. Si, c'est bon. Ok. Il est doucement. Doucement. Joli. Nice. Et la 10e lune qu'on avait besoin. Alors évidemment on va pas s'arrêter à là parce qu'on a la possibilité d'avoir plus de lune, alors on va pas se gêner. Je sais pas si lui met où passer, mais où est du peur. Ouais ok, bon ça on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est pour me dire que je peux retourner à l'Odyssée. Oui, je sais qu'on peut décoller à nouveau, mais on verra après mon petit pote, on verra après. Parce que là-bas il y a une lune. Il y a d'autres lunes un peu partout, donc j'aimerais les récupérer. Avant de partir de là. Allez, wall jump, on va essayer de se dépêcher. Toc, toc, toc. Tu me diras, j'aurais pu me téléporter. Je sais pas si ça aurait été plus vite. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi, mon petit bonhomme? Waouh! Oh, c'est toi, Mario. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Non, je suis pas un je suis pas en exploration cette fois. Cette île m'a tapé dans l'œil et j'ai décidé d'y ouvrir une boutique. Je t'en prie, fais un tour à l'intérieur. On verra après, mon petit pote. On verra après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me... C'est d'aller planer. D'aller planer là-bas. Ok... Et voilà. En fendant le ciel de Toxil. Hop, on sort de là. On n'a pas de pièce violette ici. Nope. Donc let's go. Ça nous fait retourner à l'Odyssée. Ok, très bien. Bon. C'est vrai qu'il nous reste la clé à avoir ici. Peut-être que la clé, on pourrait l'acheter. Il y a un truc là. Oh, elle est là la clé. Je peux l'avoir de là ou il va nous falloir la bestiole là? Il va nous falloir la bestiole. On va retourner ici avec la bestiole. Comme ça, on va choper la clé. Notre petite ellipse
Parce que ça va me prendre du temps avant d'aller choper la bestiole. Ok, on y est. Ouh, c'était limite. Va chercher la clé. Yes. Et c'est une lune. Je m'attendais à ce que ce soit un passage secret. Où on aurait pu récupérer... d'autres pièces violettes. Parce que je crois que des pièces violettes, si on regarde bien... Il m'en reste quand même 7 à avoir. Ça veut dire que... Bah déjà, je vais me téléporter. C'est une certitude au niveau de la boutique. Parce que c'est par là-bas que je vais pouvoir planer. J'en ai vu 4 quelque part. Donc il va m'en manquer 3. Je sais pas où sont les 3 pour le moment. Donc on va devoir regarder. Viens là, toi. Est-ce qu'en haut... Il y a une lune juste là. Je l'avais même pas vue. Ok, de là, je vois pas de pièces violettes. On fait tout le tour, hein. Là, c'est la fameuse île. Et on a une île qui est normalement... Elle est toute là-bas, l'île. Vache, il va falloir planer loin, hein. Je te fais confiance, plane assez loin. On va choper les 4 qu'il y a là. Voilà, super. Il n'y a pas d'autre derrière? Oh, non. Ok. Non, pas lui. On retourne ici. Ok. Bon, il me manque 3 pièces violettes. Alors ça c'est quand même un problème. Donc, il nous reste combien d'ailleurs de lunes à choper? Il y en a quand même pas mal à choper. Je vais remonter. Je vais choper la lune qu'il y a là-haut. Ok, la lune que j'ai pu voir. Il y a une autre lune que je peux récupérer en planant. On va les récupérer également. Et ça se trouve, les pièces violettes sont pas loin. Mais si elles sont pas ici, il va falloir qu'on check et qu'on regarde un petit peu partout. Ouais, il y a une zone qu'il va falloir que je regarde déjà tout de suite. Non, mais je veux pas te parler. Va-t'en. Je regarde à l'intérieur, parce que ça se trouve, les pièces sont dedans. Non, les pièces sont pas dedans. Déjà, toi. Non, je veux pas acheter ça. Je veux t'acheter ça. Voilà, une petite lune. Gratis. Merci. Affaire en or sur Toxil. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à vendre? Non. Donc l'autre à côté, il va avoir des tenues à me vendre. Ouh, joli. Casque d'aviateur. Classe. Je vais prendre ça, monsieur. J'achète. Et je vais me changer. Comme ça, on va changer pour cet épisode. Et on prend celui-là. Et ensuite, il va falloir qu'on aille chercher... les 3 dernières pièces qui nous manquent. Ok, ouh, il est bien classe comme ça, Mario. Il est bien classe. Sortons de là. Il va falloir qu'on plane. Wow, j'ai failli tomber. Viens là, toi. Il va falloir qu'on plane juste là. Oh, dis donc, j'ai un peu fait n'importe quoi là. Oh, ouais, mais non. J'étais au bord. J'étais bien, j'étais sur le bord. Ah, mais je suis tombé. Dommage. Reviens. Voilà. Oh, mais. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. Il est relou, hein. Bon, ben. Non, hé, t'as failli me faire. Non, mais. Hé. C'est pas ce bouton-là que je voulais appuyer. Ah, c'est pas ce bouton-là. Ah. Je sais pas si on peut se téléporter pendant qu'on tombe dans le vide. Aïe. Eh, c'est chaud pour planer là où il faut, là. On va se mettre là. On va se mettre correctement. Voilà, et on plane. Ok, très bien, on y est. On récupère cette lune, nom de Dieu. Bon. Maintenant, on va se faire une ellipse, histoire que je trouve les dernières pièces violettes. Il y a ici que j'ai pas regardé. Regardez si c'est là. Ah, une pièce classique. Non. Viens, là, viens, là, viens. Allez, vas-y. Une pièce classique, encore une fois. Pète ça, les deux d'un coup, les deux d'un coup, là. Oh. Le petit dernier. Et on a juste un cœur. Ok, bah c'était pas ici. Il y a peut-être encore là, regardez. Ouh, là, il y a l'air d'avoir une lune, là, par contre. Il y a l'air d'avoir une lune juste ici. Fais voir ça. Exact. Bon, bah, on a gagné une lune. On a toujours pas trouvé les pièces violettes, mais on a gagné une lune. Allez, claque ça, et c'est bon. Très bien. Bon, eh ben on continue. Oh, bah tiens, il y a une autre lune ici. Il y en a partout des lunes. C'est n'importe quoi. On devait en trouver 10, et j'en ai pratiquement 20. Bon,
à la recherche des pièces violettes. Oh, regardez ce qu'il y a ici. Il y avait une lune cachée là-dedans. À chaque fois je vous dis que je vais faire une ellipse, au final je reviens vers vous très rapidement parce que je trouve une lune. Et c'est pas la lune que je veux, c'est les pièces violettes. Oh. Ah. Oh. Cherchons bien, cherchons bien. Il y a une zone ici. Il y a un carré ici. Est-ce qu'on peut y accéder là? Ça me paraît chaud d'y accéder, non? Oh, 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 on y a. Oh, oh. Eh, dis donc, Todd là. Regardez ce qu'on a là. Plein de pièces. Il lui a forcément donné une étoile. Enfin, une étoile. Une lune, pardon. Comment je suis arrivé ici? Un drôle d'oiseau m'a attrapé et m'a lâché là. Finalement, c'est pas si mal. J'ai pu me reposer et puis j'ai trouvé une lune. Tiens, allez pour toi. Merci, Todd. Bon, bah, on est bientôt à la vingtaine. Hein. Bon, par contre, viens là, toi. Du coup, je vais me servir de lui pour sortir. Enfin, pour l'instant, on a toujours pas trouvé les fameuses pièces violettes qui me manquent. Hein. Enfin. Continuons de chercher. Ah, elles sont cachées là, ces pièces. Eh, ça fait 15 minutes que je cherche. La vache. Elles sont bien cachées, les fourbes. Elles sont bien cachées, les fourbes. Ok, on va sortir de là. Hop, voilà. Et du coup, pour les avoir, bah, ça va être du wall jump. C'est quand même incroyable. Oh. Voilà. Eh ben, on a réussi. Vache, on n'a pas eu toutes les étoiles. Enfin, toutes les lunes, pardon. Je vais tout le temps dire les étoiles, dire les lunes. Et j'ai parlé un peu avec le perroquet. Il m'a dit qu'il y avait une lune avec une plateforme pivotante. Je sais pas trop ce que c'est. Mais enfin, bon, bref. Je vais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique maintenant. On a toutes les pièces, comme ça on est tranquille. Et on a fait à fond ce niveau, et ça fait plaisir. Merci, hop, ça je vais l'acheter aussi. Merci. Voilà, et j'achète ça. Donc ça se trouve, les prochaines lunes qu'on pourra avoir, ce seront uniquement les lunes... comment les lunes quand on aura terminé le jeu, je sais pas trop. Bref. Bien là mon ami, et on y va. C'est parti. On va se diriger vers l'Odyssée pour pouvoir réparer cette bestiole. Ok. Puis là, il en fallait 10, je lui ramène 19, quoi. Donc ça va, on est bien. Et il va se réparer tout seul. Alors tu me diras, on l'a récupéré. Bon, il était pas abîmé comme ça. Il était un peu rouillé. Quand on l'a récupéré, on peut voir qu'il y a eu des réparations dessus. Ça a été réparé, super, et on s'en va. Et là, j'ai quand même beaucoup de temps de tournage, donc il va y avoir pas mal de montage. Là-dessus, ça c'est sûr. Ouais, il a été pas mal réparé quand même. Tu vois bien les soudures. Ok. Donc on va se diriger maintenant vers une autre... bah, probablement vers la ville. Et on pourra sauvegarder à ce niveau-là. Et se quitter, du coup. Ok, heureusement qu'on a trouvé assez de lune pour réparer l'Odyssée. Alors, triple saut, ça on connaît. Ok. Ah oui, je vais aller vérifier deux ou trois trucs sur le pays des gratte-ciel. Alors, c'est un immense complexe urbain qui s'est développé grâce à l'énergie des lunes. J'ai hâte d'y être. Ok, très bien. Donc, c'est le fameux niveau, le fameux monde que beaucoup de personnes ont un peu râlé parce qu'ils trouvaient ça étrange de voir Mario... Dans un tel univers, en fin de compte, dans un univers humain, tout bêtement. En tout cas, il fait pas beau. Hein. Moi, quand j'ai testé la démo, il faisait beau. Donc je vais devoir sûrement péter ces trucs-là. On est enfin arrivé, mais la situation n'a pas l'air au beau fixe. Regarde, c'est le vaisseau de Bowser, allons-y. Nope, on n'y va pas parce que nous, on s'arrête là, on a la petite sauvegarde en dessous. Donc on se laisse, j'espère que cet épisode de Super Mario Odyssey vous aura plu. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit en début d'épisode. Je ne lirai plus les commentaires jusqu'à ce que je termine le jeu pour m'éviter
de trop me faire spoil sur les niveaux que je vais faire, parce que là je m'arrête à ce niveau-là, il peut très bien y avoir 3-4 personnes qui me balancent plein de spoils sur ce niveau, et les spoils c'est pas drôle. Et vu que je veux le faire en découverte à 100% avec vous, je lirai vos commentaires une fois qu'on aura terminé le jeu. Pas à 100% évidemment, parce qu'on le fera pas du premier coup à 100%, mais une fois qu'on aura terminé le jeu, je vais pouvoir commencer à lire vos commentaires un petit peu plus sérieusement pour savoir les astuces que vous allez pouvoir me donner sur certaines choses. En tout cas, je vous remercie pour la participation que vous apportez à la série. Merci de l'avoir regardé. Enfin, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, en tout cas, parce que la série n'est pas terminée. Et en attendant, portez-vous bien, les amis, et à bientôt. Bye!